Dans ce scénario, nous verrons le blocage des actions, la hunt, le stealth et l'intercept. Reprenons là où nous avons laissé Darius dans la première partie du scénario. Au début de son tour, Darius unlock César Oldfield. Comme il a le Edge, il n'oublie pas de réclamer le pool qui lui revient. Effectivement, si un Metzola réussit à garder le Edge jusqu'au début de sa Unlock Phase, et s'il le réclame, il a le droit de gagner un pool. Darius prend donc un Blood Counter de la Blood Bank et l'ajoute à son pool. À sa Master Phase, Darius joue une Vessel sur César Oldfield. Vessel est une carte qui reste en permanence sur le vampire et qui permet une fois par Unlock Phase de transférer un Blood Counter de César vers le pool ou du pool vers César. Comme l'Unlock Phase est déjà passé, César Oldfield ne pourra bénéficier de son effet qu'à partir du début de son prochain tour. Pour sa Minion Phase, Darius évalue la situation. Il remarque que Charlotte possède un vampire unlocké, ce qui ferait de Bethany Ray une bloqueuse potentielle. Malgré cela, Darius lock César Oldfield et déclare qu'il souhaite bleeder Charlotte. Voyons en détail ce qui se passe lors de cette action. Bethany Ray est unlockée et donc peut tenter de bloquer le bleed de César. Pour éviter que cela arrive, César peut jouer des cartes qui modifieraient son action de bleed avec du stealth. Puisque Darius n'en possède pas présentement dans sa main, il utilise The Barons qui lui fera défausser une carte. Darius la remplace immédiatement, espérant piocher une carte utile. Malheureusement, il pioche une Kindred Spirit, ce qui n'est d'aucune utilité pour l'instant. Soyez sans crainte, nous reviendrons dans quelques instants à propos du stealth. Donc, incapable de jouer une carte qui empêcherait Bethany Ray de bloquer, elle lock et réussit son blocage. Le bleed n'a pas d'effet et un combat s'engage entre César Oldfield et Bethany Ray. Les combats seront détaillés dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, disons que pour simplifier, chacun s'inflige un point de dégâts. Pour chaque point de dégâts qui lui est infligé, un sang doit être enlevé sur le vampire. Après le combat, c'est toujours le tour de Darius. Il pourrait faire agir d'autres vampires, mais il n'en contrôle plus qu'il soit unlocké. Darius passe donc à son Influence Phase. Il fait ses 4 transferts et fait entrer en jeu Osric Vladislav. Darius défausse finalement un Kindred Spirit. Charlotte unlock Bethany Ray. Elle peut finalement jouer sa Blood Doll qui doit être mise sur un vampire qu'elle contrôle. Remarquez que l'effet de la Blood Doll doit être déclenché lors de la Master Phase. Comme Charlotte s'y trouve présentement, elle pourrait utiliser l'effet de sa Blood Doll dès son arrivée en jeu. Elle installe donc la Blood Doll sur Bethany Ray et lui transfère un de ses pools en utilisant immédiatement son effet. Charlotte envoie ensuite Bethany Ray bleeder Darius. Osric, qui est le seul vampire unlocké de Darius, bloque le bleed. Il lock et un combat s'enclenche. Résumons encore une fois le combat par une attaque mutuelle d'un dégât chacun. N'ayant plus aucun vampire unlocké, Charlotte passe à son Influence Phase. Elle fait ses 4 transferts et fait entrer en jeu Gwendolyn Fleming. Elle défausse et pioche ensuite. Darius unlock toutes ses cartes. Comme il contrôle toujours le Edge, il gagne une fois de plus un pool provenant de la Blood Bank. Maintenant qu'il contrôle un vampire Malkavian, Darius pourrait mettre en jeu Aesylum Hunting Ground. Par contre, comme l'effet du Aesylum Hunting Ground est déclenché à l'Unlock Phase et que Darius est présentement dans sa Master Phase, il ne pourra utiliser son effet que lors de sa prochaine Unlock Phase. Il met tout de même la carte en jeu. Paye son prix de 2 pools et passe à la Minion Phase. Puisqu'un des vampires unlockés de Darius n'a plus de blood, celui-ci sera forcé de faire une action prioritaire. Cette action s'appelle la Hunt. De son côté, Charlotte pourrait tenter de bloquer la Hunt avec Gwendolyn Fleming, car elle est unlockée, mais elle décide de ne pas le faire. L'effet de la Hunt est simple. Une fois réussi, l'action ajoute un blood de la Blood Bank sur le vampire qui agit. Pour la deuxième action du tour, Osric lock et tente de jouer un Kindred Spirits. Voyons l'action en détail. Kindred Spirits est une carte d'action qui nécessite la discipline Dementation, ce qu'Osric possède. Gwendolyn Fleming peut tenter de bloquer l'action, mais attention,
et ne lockera que s'il réussit son blocage. Pour éviter une telle situation, Osric joue Cloak the Gathering, une action modifier qui demande Obfuscate. Puisque Osric possède Obfuscate à supérieur, il peut décider s'il joue Cloak the Gathering pour son effet inférieur ou supérieur. Il décidera de jouer la carte inférieure pour bénéficier du plus 1 stealth. Il est maintenant le temps d'expliquer en quoi le stealth et l'intercept consistent. Pour qu'une action soit bloquée avec succès, le vampire défenseur doit générer autant d'intercepts que le vampire actif génère de stealth pour son action. Pour ce faire, il pourra jouer des cartes de réaction qui octroient de l'intercept en payant leurs éventuels coûts. Par contre, le vampire actif pourra lui aussi répondre à cela en ajoutant du stealth et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un ou l'autre ne puisse plus en jouer ou décide de ne plus en jouer. Si le vampire actif ajoute finalement plus de stealth à son action que l'opposant peut ajouter d'intercept, le blocage est un échec et l'action est réussie. Dans le cas présent, Osric a ajouté 4 stealth à l'action tandis que Gwendoline n'a finalement pu n'ajouter que 3 d'intercept. Le Kindred Spirits est donc un succès. Mais Osric n'a pas dit son dernier mot. Il souhaite modifier son action de bleed avec une autre carte d'action modifier, Eyes of Chaos. À supérieur, Eyes of Chaos ajoute plus 2 bleed au bleed actuellement tenté. Voyons cela plus en détail. Déjà, comme il est écrit à inférieur, le Kindred Spirit fait gagner un pool à Darius. À supérieur, le Kindred Spirit ajoutait plus 1 bleed au bleed de base d'Osric qui est de 1. Eyes of Chaos est venu encore une fois modifier ce bleed de 2, le faisant monter à un bleed total de 4. Au terme de cette action, Charlotte perd donc immédiatement 4 poules. Un bleed réussi donne le contrôle du Edge, mais puisque Darius le contrôle déjà, rien de plus ne se passe. Darius transfère finalement 4 poules. Son vampire n'ayant pas atteint sa pleine capacité, celui-ci ne sortira pas ce tour-ci. Il défausse une carte et remplace.